Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous propose de parler entretien du linge. Récemment, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, dans le vlog de septembre que je vous remets dans le petit i, j'ai trié donc mon dressing et je me suis rendu compte qu'il y avait quelques pièces de mon dressing qui avaient besoin d'un petit peu d'entretien. Alors c'est quelque chose que j'ai fait hors caméra, mais ça m'a donné l'idée de vous partager mes astuces pour l'entretien du linge, notamment lorsqu'on est couturier, couturière, parce que c'est quelque chose qui me tient, en tout cas personnellement, beaucoup à cœur, étant donné que c'est des vêtements que j'ai cousus, que j'ai fait moi-même, et du coup j'ai envie de les faire durer extrêmement longtemps dans le temps. Si vous me connaissez aussi un petit peu et que vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai une démarche qui est dite éco-responsable, c'est-à-dire que j'essaye de coudre déjà dans un premier temps dans des tissus recyclés pour minimiser mon impact environnemental, on va dire, au niveau des vêtements que je porte et aussi que je couds. Mais du coup, cette démarche, elle va aussi dans tout ce qui va concerner l'entretien du linge, à savoir quelles sont les astuces que je mets en place pour d'une part faire durer mon linge le plus longtemps possible, donc tout ce qui va être vêtements. Ici je vais vraiment parler que des vêtements, pas du tout du linge de maison ni de tout ce qui est linge de bain, je vais vraiment m'adresser que à tout ce qui est voilà chemisier, etc. Et donc comment je fais également pour entretenir ce linge en étant la plus éco-responsable que possible, c'est-à-dire en essayant de minimiser mon impact sur l'environnement lorsque je vais entretenir mes vêtements. Donc c'est les astuces que je vais vous partager aujourd'hui, j'espère qu'elles vous seront utiles. N'hésitez pas si vous en avez d'autres à les partager en commentaire, moi je serai ravie de les lire et d'enrichir mon répertoire d'astuces. Et puis on ne va pas prendre plus de temps dans cette introduction et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Entretien du linge, tout de suite on va penser au lavage du textile, c'est un petit peu ce qui concerne, je dirais, la première étape de l'entretien, la plus basique. Et mon premier conseil serait less is more, alors on pourrait le traduire par moins mais mieux globalement. Pourquoi less is more? Tout simplement parce que j'ai remarqué au fur et à mesure du temps qu'on n'est pas obligé de laver ses vêtements dès qu'on les a portés une fois. Disons que moins on va les laver, effectivement plus on les fera durer dans le temps. Alors quand je dis moins laver ses vêtements, on reste dans la limite du raisonnable. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais essayer d'analyser mes vêtements lorsque je les ai portés. Tout simplement, je vais me poser deux questions. Est-ce que mon vêtement est odorant et est-ce que mon vêtement est taché? Ça peut être une tache de transpiration, ça peut être une tache de sauce tomate, peu importe. Et puis, est-ce qu'il y a une odeur particulière liée à l'environnement dans lequel j'ai été toute la journée? Est-ce qu'il y a une odeur de transpiration? Est-ce que c'est une odeur pas très agréable? Auquel cas, si mon vêtement répond à l'un de ces deux critères, effectivement, je vais le mettre au sale. En revanche, si à la fin de la journée, quand j'ai mis mon vêtement, je me rends compte qu'il n'est ni odorant ni taché, eh bien, je vais le mettre de côté, je vais pas le remettre dans mon dressing, je vais le mettre dans un espace dédié, moi j'ai une chaise voilà dans la chambre, sur laquelle je vais mettre les vêtements que j'ai déjà portés une fois et que je vais pouvoir reporter peut-être une voire même deux fois et qui vont me permettre en fait d'espacer les lavages de ce vêtement. Ce conseil là je vous le donne parce que c'était quand j'ai acheté mon jean Levi's l'année dernière, on m'a expliqué que le jean on n'avait pas besoin de le laver à chaque fois qu'on le portait. Je crois même qu'il y a une étude qui était sortie il y a quelques temps, j'ai pas réussi à remettre la main dessus, qui expliquait que les jeans il fallait les laver genre 3 ou 4 fois par an. Alors moi j'en suis pas encore à ce stade là, mais c'est vrai qu'il y a des matières effectivement que l'on peut laver encore moins. Tout ce qui est jean, ça absorbe beaucoup mieux les odeurs, ça a tendance aussi à moins se tacher, donc c'est des vêtements aussi qu'on va pouvoir laver moins et qui vont permettre d'augmenter leur durée de vie. Mon deuxième conseil pour laver les vêtements, c'est d'apprendre à lire les étiquettes. C'est primordial, c'est un truc que j'ai appris en rentrant dans la vie d'adulte, quand j'ai eu ma première machine à laver et mon premier appart. Vraiment, lire les étiquettes, c'est primordial, et connaître les modalités de lavage des vêtements. Disons que quand on est couturier, couturière, il va falloir essayer d'apprendre un petit peu quelle matière va se laver à telle température. Je pense que sur certains sites, vous retrouvez un petit peu les indications de lavage en fonction des tissus, mais c'est pas toujours le cas. Sachez que si vous avez un doute, privilégiez plutôt un cycle doux avec une température pas trop élevée, 30 degrés maximum, ça me paraît bien, et un essorage relativement doux afin de préserver votre vêtement. Si vous avez par exemple comme moi l'habitude d'acheter des tissus de seconde main, bon bah généralement il n'y a vraiment pas écrit d'indication de lavage, donc là dans le doute je mets un cycle doux. Pour vous aider pour tout ce qui est lecture des étiquettes, je sais que c'est pas évident, moi ce que j'ai fait c'est que je me suis fait un petit cadre comme ça dans lequel j'ai mis, c'est une image que j'ai dû trouver sur Pinterest il y a quelques années, et donc j'ai vraiment le décodage, on va dire, des sigles les plus récurrents. Globalement ce qu'il faudra retenir c'est le sigle
cycle de lavage, donc qui est cette petite bacque, cette petite cuve pardon, avec soit une croix pour le lavage interdit, une petite main pour le lavage à la main, un bac classique avec un trait en dessous pour le lavage en machine à cycle modéré, et quand il y a deux traits en dessous c'est le cycle délicat. Je lis ma fiche, hein, je ne les connais pas par cœur. Vous avez aussi des indications de repassage qui sont hyper importantes, donc le repassage interdit avec le petit fer à repasser barré, le repassage doux avec le fer à repasser avec un seul point, et le repassage moyen avec un fer à repasser avec deux points. Et pareil pour tout ce qui va être chlore et séchage, vous avez donc le triangle barré, c'est interdiction de mettre du chlore, mais bon, c'est, disons que c'est une information à laquelle je n'ai jamais été confrontée pour l'instant, donc bon, je vous la donne. Et puis le séchage, tout ce qui va être sèche-linge, vous avez donc un petit carré avec un rond à l'intérieur, s'il est barré, le séchage en sèche-linge est interdit, s'il est normal, donc sans rien, juste un carré avec un rond, c'est que vous pouvez le sécher au sèche-linge, et avec un point et deux points à l'intérieur, c'est séchage modéré et séchage délicat. Donc vous avez toutes ces informations là que vous pouvez retrouver assez facilement sur internet. Je vous mettrai peut-être quelques liens en barre d'infos si jamais je trouve des choses intéressantes, et je vous conseille vraiment d'opter pour cette option là. Donc vous faire un petit cadre, c'est assez esthétique, on va pas se mentir, il y a un côté un petit peu Pinterest qu'on apprécie, et ça permet en fait d'avoir toujours sous les yeux ces petites indications en fait de lavage, de séchage, d'entretien de votre linge, qui vont vous permettre en fait sur le long terme d'entretenir correctement un vêtement en fonction de ses besoins, c'est-à-dire que tous les tissus et tous les vêtements n'ont pas le même besoin. Une chemise en coton comme ça, je peux la laver, voilà, simplement je me prends pas la tête, un cycle doux ça marche très bien, tandis qu'une chemise en laine comme j'en ai une en ce moment dans mon dressing, celle-ci il faut la laver à la main et le moins possible c'est mieux. Le troisième conseil, eh bien, je vous en ai déjà quand même pas mal parlé, mais c'est laver à froid et moins d'essorage. Ça c'est aussi quelque chose qui permet non seulement d'être un petit peu plus éco-responsable, mais surtout d'entretenir un petit peu son linge, de moins le maltraiter. Il faut savoir que la machine à laver c'est quand même très agressif pour les vêtements, c'est aussi pour ça que je vous conseille de moins les laver dans la limite du raisonnable. Donc quand on est confronté à un lavage, puisqu'on doit laver quand même régulièrement ses vêtements, quand je suis confrontée au lavage, je vais toujours mettre un cycle à 30 degrés, donc un cycle à froid. C'est pas forcément nécessaire de laver très chaud les vêtements, sauf dans quelques cas précis dont je reparlerai un petit peu plus tard. Et puis pour tout ce qui va être linge de maison, pour éliminer par exemple tout ce qui est acarien, ça peut être intéressant de laver à plus haute température, mais de manière générale pour laver vos slips, vos chaussettes et vos chemises, aucun intérêt de faire un cycle à 40 degrés, un cycle à entre 20 et 30 degrés, ça suffit largement. Et pareil pour l'essorage, moi j'avais tendance à mettre 1400 tours minute sur ma machine. Alors au-delà d'avoir l'impression d'avoir un avion à réacteur dans la maison, globalement en fait ça étend les vêtements, ça a tendance à les abîmer. Alors ça les essore énormément, mais je vois pas une grosse différence entre un essorage à 1000 tours minute et à 1400 tours minute. Le 1000 tours minute suffit largement et je pense que je pourrais même descendre, mais comme le linge sèche assez mal dans l'appartement, je vais quand même trouver un équilibre entre un essorage doux et un essorage insuffisant qui pour moi du coup serait problématique. Mais le conseil que je peux vous donner donc c'est laver moins chaud et surtout essorer moins, en tout cas plus doux. Quatrième conseil qui concerne le lavage, et ensuite on aura fini pour cette catégorie, c'est une lessive simple, ça suffit. Pas besoin d'une lessive comme on peut en voir à la publicité, tout ce qui est les lessives blanchissantes, les lessives ultra douces, les lessives ultra parfumées qui restent 7 jours sur le linge, etc. Aucun intérêt, personnellement je lave mon linge avec du savon de Marseille, c'est une lessive prête à l'emploi, donc savon de Marseille et huile essentielle de lavande que je trouve en grand magasin, et elle est très bien cette lessive, j'en mets quelques copeaux dans mon tambour et ça lave très très bien les vêtements, je n'ai pas de problème de traces sur les vêtements, je n'ai pas de problème d'odeur, vraiment c'est idéal et j'ai pas besoin de débourser énormément d'argent, mais surtout de débourser mon argent dans de la lessive qui va être polluante, tant au niveau des particules qui sont à l'intérieur de la lessive que au niveau de tout ce qui est emballage de cette lessive, bidon, etc. qui, on le sait, se retrouve dans les océans. Donc je vous conseille vraiment de vous tourner vers des lessives naturelles. Comme je viens de vous l'expliquer, vous n'êtes pas obligé de la faire vous-même, je sais que c'est une charge qui peut être assez importante, moi je ne prends pas cette charge là, je la trouve directement en magasin, je pense que vous pouvez le trouver aussi sur internet. Donc voilà, une lessive simple, toute basique, ça suffit largement, que ce soit pour votre linge ou pour la planète. La deuxième catégorie concerne le séchage du linge. Alors là j'ai pas énormément d'astuces, c'est là aussi où je vais faire appel à vous si vous avez des astuces particulières pour faire sécher le linge, notamment en hiver, moi je suis preneuse, mais les conseils que je peux vous donner, le premier c'est d'éviter un maximum le sèche-linge. J'ai un sèche-linge dans ma machine à laver, je l'utilise très peu parce que ça m'est arrivé mais tellement fréquemment de flinguer les vêtements, parce que d'une part je ne savais pas lire les étiquettes, mais aussi parce que le sèche-linge c'est hyper 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 abîmant, enfin c'est agressif en fait, ça abîme les vêtements.
et surtout c'est ultra énergivore. Donc que ce soit pour l'environnement, pour votre budget énergie, surtout en cette période un petit peu tendue, et pour la qualité de votre vêtement, je vous conseille vraiment d'éviter un maximum le sèche-linge. Dans certains cas, on ne peut pas s'en passer pour tout ce qui est, voilà, par exemple linge de maison. Je sais que moi j'aime bien les passer au sèche-linge en hiver et encore j'essaye d'éviter, mais c'est vrai que pour certains vêtements c'est un peu compliqué de s'en passer. Par contre pour les vêtements assez simples, comme je vous l'ai dit, vos slips, vos chaussettes, vos chemises, voilà, les vêtements simples, on se passe du sèche-linge, ça n'a aucun intérêt. Privilégier un séchage sur un étendoir classique. Si vous avez la possibilité de faire sécher au soleil, c'est ce qu'il y a de mieux pour détacher les vêtements. Le soleil c'est notre meilleur blanchisseur, hein, faut le savoir. Donc faire sécher au soleil, en été essayer de faire sécher en extérieur. Moi j'ai un micro balcon, j'arrive à mettre mon tankerville dessus et à faire en sorte que ça sèche. C'est un petit peu sport, mais je fais cet effort là pour que mon linge sèche dans de meilleures conditions et éviter un maximum le sèche-linge. Le deuxième conseil que je peux vous donner pour faire sécher votre linge, c'est de faire sécher sur cintre. Ça c'est un conseil que j'applique notamment pour défroisser les vêtements. Je vais faire en fait sécher mes vêtements sur des cintres que je vais disposer un peu partout dans mon appart. Et ça va me permettre en fait de faire sécher mon vêtement non seulement plus vite, mais aussi de le faire sécher bien droit. Donc de bien permettre de le faire sécher, on va dire, voilà, qu'il soit le moins froissé que possible. Alors attention, c'est pas forcément idéal pour tout ce qui est séchage des pulls, parce que ça a tendance à déformer les mailles par exemple. Donc pour tout ce qui va être vêtements très lourds, je vais éviter de les faire sécher sur cintre, mais dès que j'ai une robe, une chemise, un petit haut, je vais tout de suite le mettre sur cintre pour le faire sécher et ça va accélérer son processus de séchage, mais surtout ça va permettre vraiment de le faire sécher bien droit et d'éviter qu'il soit trop froissé, et ça on apprécie. Catégorie s'appelle du linge comme neuf. Comment faire pour que nos vêtements qu'on a déjà portés des dizaines de fois et qu'on adore aient l'air d'être encore comme neuf? Ça vaut autant pour les pantalons, pour les chemises que pour les pulls. J'ai plusieurs astuces pour ça. La première, c'est le déboulocheur. Je ne vous en parlerai jamais assez de ce truc. Je pense que c'est la première fois que je vous en parle sur la chaîne, mais vraiment c'est quelque chose que j'adore. Celui-ci c'est un Philips, je vais vous expliquer tout de suite à quoi il sert. C'est un petit rasoir, un petit appareil qui coûte une quinzaine d'euros et qui va nous servir en fait à déboulocher des vêtements. Je pense que ça vous est déjà arrivé, c'est sûr, d'avoir un vêtement, particulièrement des pulls ou des vêtements en laine, qui ont tendance à avoir des bouloches, à boulocher. C'est le cas sur les manteaux par exemple, au niveau des aisselles, au niveau des poches, là où frotte votre sac. Tout simplement, c'est le résultat, si je ne dis pas de bêtises, d'une fibre qui est trop courte. Donc souvent c'est pour les fibres de mauvaise qualité, c'est pour ça que c'est quelque chose qui arrive très très souvent sur les vêtements de fast fashion, bizarrement. Donc c'est souvent que la fibre est de mauvaise qualité, elle est courte, et donc comme elle est courte, elle a tendance à se casser et à faire des bouloches en fait qui se voient sur le vêtement. Ça c'est vraiment ce qui trahit le fait qu'un vêtement a déjà été porté plusieurs fois, en tout cas qu'il a été déjà sollicité par le temps. Et donc pour éviter que notre vêtement ait un aspect négligé à cause des bouloches, puisque ça à ce côté un peu, voilà, vêtement usé, et eh bien on peut utiliser un déboulocheur comme celui-ci pour venir en fait raser notre vêtement et enlever toutes les bouloches. Alors c'est quelque chose à utiliser quand même avec modération, puisque à chaque fois vous enlevez quand même un petit peu de matière, il faut le savoir. Donc c'est bien pour faire, voilà, à faire une ou deux fois dans l'année sur un manteau par exemple qui a tendance à beaucoup boulocher, sur un pull, voilà, en début d'hiver on débouloche un petit peu notre pull, on le refait un peu en cours d'année et puis à la fin de l'hiver on repasse un coup de déboulocheur histoire de le garder en bon état. Et ça c'est vraiment une astuce qui va permettre de garder vos vêtements les plus neufs que possible, en tout cas visuellement, et qu'ils aient l'air d'être voilà, très récents, qu'ils aient l'air en très bon état en fait, tout simplement. Je fais pas l'apologie du neuf puisque c'est pas du tout mon objectif. Au contraire, moi j'ai tendance souvent à acheter de seconde main, et c'est vrai que ça m'arrive d'acheter des vêtements de seconde main qui ont légèrement des bouloches, mais c'est pas quelque chose qui va m'empêcher d'acheter de vêtements, puisque je sais que derrière je vais pouvoir le remettre en état et faire en sorte qu'il ait l'air impeccable, et donc de prolonger sa durée de vie. Dans le même registre, on va dire, vous avez aussi tout ce qui est voilà, rouleau à bouloche, rouleau à poil, etc. Ça c'est le genre de petit investissement que je vous conseille de faire. Franchement ça coûte quelques euros en grand magasin, vraiment pas besoin d'investir des milliers, et donc ça vous permettra pareil de venir redonner un bel aspect à votre vêtement en enlevant tout ce qui est poil, bouloche, tout ce qui va être petites particules qui peuvent se poser sur un vêtement. Je pense notamment aux blousons noirs en hiver qui ont tendance, voilà, à être salis par pas mal de choses lorsqu'on les porte. Et bah ça c'est pas mal, parce que du coup ça vous permet vraiment de le rendre clean en un coup de main, et c'est un investissement. Ces deux là pour moi je les fais fonctionner ensemble et c'est juste un bonheur.
Le deuxième conseil pour un vêtement comme neuf, il va concerner les vêtements blancs. Là, je pense que c'est un conseil pour lequel vous êtes tout ouïe. Vous vous êtes certainement déjà retrouvé avec des vêtements qui ont tendance à jaunir sous les aisselles, des chemises qui ont tendance à devenir grises, voilà, des sous-vêtements blancs, moi ça m'est arrivé aussi, qui sont complètement tachés, qui deviennent gris. Bref, des vêtements blancs qui se détériorent dans le temps. J'ai un peu de mal à m'exprimer aujourd'hui. Pour rendre mes vêtements blancs comme neuf, j'ai une astuce du tonnerre. Et cette astuce est a priori plutôt écologique, puisqu'elle n'est pas nocive pour l'environnement. Il s'agit de l'astuce du percarbonate. Alors je pense que à force vous commencez à la connaître, mais je la répète au cas où, si jamais quelqu'un d'entre vous ne connaît pas cette astuce, je vous la donne. Régulièrement, quand j'ai donc un vêtement qui est jauni, qui est taché au niveau des aisselles par de la transpiration, qui est devenu jaune ou noir ou gris ou peu importe, je vais faire tremper mon vêtement dans du percarbonate. Le percarbonate, c'est un dérivé de bicarbonate avec un agent en plus, et là comme ça je saurais pas vous dire ce que c'est. Mais globalement, c'est un ingrédient naturel que l'on va utiliser pour blanchir les vêtements. Ce que je fais, c'est que je vais faire bouillir de l'eau dans une bouilloire, dans une casserole, peu importe. Je vais me munir d'une grande bassine, d'un seau, et je vais mettre mon vêtement à l'intérieur. Je vais ajouter plusieurs cuillères à soupe de bicarbonate, de percarbonate, pardon, selon la quantité de vêtements que je vais vouloir blanchir ou de la densité de mon vêtement. Si c'est un petit chemisier comme ça, je vais mettre une ou deux cuillères à soupe. Si c'est un gros sweatshirt bien épais, je vais mettre peut-être 4 cuillères à soupe, et je vais venir verser l'eau bouillante sur mon percarbonate. À ce moment-là, le percarbonate va mousser, donc il faut prendre un contenant assez grand, beaucoup plus grand que votre vêtement. Et donc le percarbonate va venir agir sur le vêtement et va avoir cet effet blanchissant et détachant. Ce que je fais, c'est que je le laisse agir au moins une heure. Si je peux le laisser agir plus, c'est mieux. Et à la sortie, mon vêtement va redevenir vraiment beaucoup plus blanc qu'avant, quasiment comme neuf finalement. Je vais pouvoir maintenir en fait le blanc de mon vêtement le plus longtemps possible. Et ça, c'est vraiment hyper top. Ça marche très très bien pour la transpiration sous les aisselles. Moi, c'est un gros problème que j'ai sur mes vêtements, c'est une catastrophe. Et le percarbonate m'a sauvé énormément de vêtements. Pareil pour tous les vêtements que vous achetez en friperie, le passer au percarbonate, ça lui redonne en fait un petit coup de jeunesse, ça le remet un petit peu à neuf. Alors attention, quand vous manipulez le percarbonate, pensez bien à mettre des gants puisque c'est quelque chose qui est assez abrasif. C'est aussi un agent que l'on peut utiliser pour nettoyer la salle de bain, les toilettes. Enfin, c'est un très très bon détachant et détartrant. Donc vraiment, le percarbonate est votre meilleur ami, mais protégez-vous quand même au niveau des mains pour ne pas voilà, avoir les mains irritées à l'issue de l'utilisation. Vous n'allez pas avoir des trous dans la main, mais c'est quand même mieux de vous protéger. Et voilà, une fois que vous avez passé votre vêtement, que vous l'avez fait tremper dans du percarbonate, on les sort avec des gants et on peut le passer en machine. Dans cette condition là, dans ce cas là, vous lavez votre vêtement à 40 degrés puisque le percarbonate n'est actif qu'à partir de 40 degrés, et donc si vous le lavez à 30 degrés, l'action du percarbonate n'aura aucun effet. Donc dans ce cas précis, on est autorisé à laver notre vêtement un peu plus chaud, mais c'est pour des utilisations ponctuelles lorsqu'on va ajouter du percarbonate. Par exemple, si vous faites une lessive de blanc, une fois de temps en temps, peut-être une fois par mois, sur votre lessive de blanc, vous mettez du percarbonate et ça redonne un petit coup de frais à vos vêtements. Et ça, c'est une astuce qui fonctionne vraiment bien, que je connais depuis peu de temps, mais que j'adore et que vraiment, il fallait que je vous la partage celle-ci. Dernière astuce que je peux vous donner au niveau des taches un petit peu tenaces, surtout les taches de gras, j'ai une petite recette magique que j'aime bien utiliser. Je vais mettre cette fois-ci du bicarbonate dessous. Le bicarbonate, c'est un carbonate en fait différent. Donc vous avez le bicarbonate et vous avez le percarbonate. Le percarbonate est un peu plus actif que le bicarbonate. Mais donc vous prenez un petit peu de bicarbonate, ça peut être du bicarbonate alimentaire. Je vais prendre environ 2 à 3 cuillères à café que je vais mélanger avec un petit peu de produit vaisselle, puisque le produit vaisselle ça dégraisse bien, et donc je vais venir faire comme une espèce de pâte. Il faut que ce soit ni trop liquide ni trop épais, et avec une vieille brosse à dents dont je n'ai plus l'usage, je vais venir frotter directement sur la tache. Je vais laisser poser 30 minutes sur mon vêtement, donc localisé au niveau de la tache, et je passerai ensuite mon vêtement en machine. Et alors cette petite recette magique, elle fonctionne vraiment sur quasiment toutes les taches. Il y a très peu de taches que je n'ai pas réussi à enlever avec cette recette là et ça m'a sauvé vraiment énormément de vêtements, notamment des pantalons clairs sur lesquels il y avait des taches de chocolat par exemple. Voilà, c'est une recette que j'aime utiliser et qui rend mon vêtement comme neuf. Catégorie porter des
vêtements au top. On va parler un petit peu d'entretien du linge aussi pour ce qui concerne l'apparence, le look, le fait de les porter. Qu'est-ce qui fait que votre vêtement il a l'air vraiment clean, qu'il a l'air vraiment beau et voilà, impeccable sur vous, au-delà de l'entretien que vous avez fait en amont, donc tout ce qui est déboulochage, lavage, etc. Ça va être aussi la manière dont vous l'entretenez au moment de le porter. Et le premier conseil, et ça c'est un conseil de couturière, c'est le repassage, c'est 80% du travail. Vraiment, c'est 80% de votre allure et réside dans le repassage de votre vêtement. Je sais que beaucoup d'entre vous ont la flemme, moi-même j'avais la flemme de le faire avant de devenir couturière, je ne repassais jamais mes vêtements, mes t-shirts étaient froissés, j'en avais rien à faire. Je peux vous dire qu'aujourd'hui je ne sors pas avec un vêtement qui n'est pas repassé, tout simplement parce que je sais à quoi ressemblent mes vêtements quand je viens de les coudre et que du coup ils sont tout bien repassés parce que j'ai passé des heures à coudre, à repasser mes coutures et tout. Je finis mon vêtement, il est impeccable, il est repassé dans tous les coins, il est magnifique. Et je sais à quoi il ressemble quand il est repassé. Je sais qu'il est 10 fois plus beau que quand il sort de la machine et qu'il n'est pas repassé. Donc prenez un petit peu de temps pour repasser votre vêtement, c'est hyper important. Dans cette astuce là, pensez bien toujours à regarder les instructions de repassage. Il faut savoir qu'un vêtement en polyester, on le repassera beaucoup moins chaud qu'un vêtement en lin par exemple. Des matières naturelles se repassent à haute température, tandis que les matières synthétiques vont avoir tendance à se repasser à faible température. Pensez bien à regarder aussi si vous pouvez faire usage de la vapeur sur votre vêtement, si vous pouvez le repasser de façon délicate ou si vous pouvez y aller de façon énergique. Là vous avez vraiment plein de critères à vérifier. Et ça je vous laisse aller voir du coup sur les indications en lisant bien les instructions de repassage de votre vêtement. Vous pouvez également utiliser ce qui s'appelle, alors si je ne dis pas de bêtises, ça s'appelle une pâte mouille. C'est tout simplement un morceau de coton, ça peut être un torchon, ça peut être un vieux tissu, peu importe, que vous allez humidifier, mouiller, bien essorer et que vous allez placer entre votre vêtement et votre fer à repasser. Cette astuce elle permet de repasser ses vêtements sans avoir à brûler la fibre. C'est quelque chose qui m'arrive régulièrement quand je mets mon fer à repasser un petit peu trop chaud ou quand le contact du fer à repasser avec le vêtement fait brûler en fait la fibre du vêtement et ça va lui donner un côté un peu lustré, un peu brillant. Ça c'est tout simplement en fait qu'on a cramé notre tissu. Alors il va pas devenir noir ou cartonneux mais il va devenir brillant et c'est pas très joli quand on le porte. Donc pour ça on utilise la pâte mouille, on la place sur notre tissu et on vient repasser par dessus la pâte mouille et là ça repasse normalement notre vêtement sans avoir à l'abîmer et à être au contact directement de la fibre du vêtement. Donc ça c'est une petite astuce de repassage que je vous donne, que j'applique pas régulièrement mais sur les vêtements que j'aime beaucoup, que j'ai envie vraiment de bien entretenir, là pour le coup je fais l'effort. Dernier conseil pour porter des vêtements au top, qu'est-ce qui peut faire que l'entretien de votre vêtement eh ben, il est vraiment complet et terminé, c'est de repriser vos vêtements. Alors ça c'est une astuce aussi que j'ai vue il y a pas longtemps sur les reels et les vidéos de Solène de l'élégance à la française, mais je la rejoins sur ce point, repriser ses vêtements c'est pas hyper compliqué et pourtant c'est ce qui va vous donner de l'allure, c'est ce qui va faire que votre vêtement il sera entretenu. Et pour ça il y a quelques astuces simples. On sait tous coudre un bouton, croyez-moi on sait tous le faire, puisque à chaque fois que je dis à quelqu'un est-ce que tu sais faire de la couture, on me dit ouais je sais vite faire ou coudre un bouton mais c'est tout. Donc recoudre un bouton, je sais que vous savez le faire, vous savez que quand vous achetez un vêtement généralement il y a toujours un ou deux boutons de rechange cousus sur l'étiquette, donc s'il vous plaît prenez le temps de recoudre vos boutons, de recoudre les petits trous. Souvent on a des trous sous les aisselles, ça m'arrive hyper souvent. Et bien prenez le temps de les recoudre, ça prend quelques minutes, on le fait devant une série, devant la télé, peu importe, et ça permettra vraiment d'entretenir votre vêtement, de lui donner de l'allure et d'éviter qu'il se détériore dans le temps et qu'on ait l'impression que ce vêtement là bah, il est de moins bonne qualité, qu'il est très usé. En fait si on l'entretient vraiment sur le long terme avec toutes ces astuces, et ces astuces notamment de reprisage, de réparation, on peut vraiment faire durer son vêtement et ça c'est génial. Maintenant pour améliorer tes looks, qu'est-ce que tu peux faire pour avoir un peu plus d'allure, encore un peu plus de voilà, de mon vêtement il est absolument impeccable et il est génial et je vais lui donner encore un petit peu de peps et encore un petit peu de côté un peu cool. Tu peux tout simplement sur tes vêtements, si tu veux leur redonner un petit coup de neuf pour tout ce qui va être chemise, vêtements avec des boutons, et bien tu peux tout simplement changer les boutons. C'est très facile à faire, comme je viens de vous le dire, ça revient un petit peu au conseil que je viens de vous donner précédemment, mais tout simplement sur une chemise tu peux remplacer des boutons blancs très classiques par des petits boutons dorés un peu délicats, et là c'est une manière aussi d'entretenir ton vêtement et de le faire durer dans le temps, de lui donner un petit côté un peu plus, peut-être un peu moderne, peut-être un petit peu plus
un peu plus frais. Quand tu as des boutons aussi qui se détériorent, des boutons qui se... souvent les boutons en plastique ou les boutons en métal juste plaqués vont avoir tendance avec le lavage à s'abîmer, voilà, tu peux tout simplement les remplacer pour redonner de l'allure à ton vêtement et le faire durer dans le temps. Tu peux également choisir de pimper tes looks avec des foulards. Tu peux ajouter par exemple des foulards sur un jean, un foulard au niveau du cou, un petit foulard voilà sur un sac. C'est quelque chose aussi qui te permettra d'améliorer un petit peu tes vêtements, de leur donner un petit peu plus de peps et du coup de faire durer aussi ton vêtement dans le temps, dans le sens où de cette manière là tu le portes d'une manière différente et du coup tu as envie de le porter un peu plus souvent, tu as envie de le remettre un petit peu au goût du jour, et je trouve que c'est une astuce qui fonctionne assez bien. Dans la même veine, tu peux aussi choisir d'ajouter des pimps sur tes vêtements, donc tout ce qui va être des petites broches, voilà, des petits pins que tu peux acheter. Je vous conseille, j'en profite pour faire un petit peu de pub, de vous rendre sur la boutique de ma copine Chloé Revel que je vous mets juste ici. Elle vend notamment des pins avec des orangers, des petites fleurs de lotus, c'est magnifique. J'ai personnellement le pins de l'oranger et je l'adore, et ça fonctionne très bien pour twister un peu une veste, pour twister voilà, une surchemise, ce genre de vêtements. Moi j'aime bien les porter comme ça et ça donne tout de suite beaucoup d'allure et on se focalise tout de suite beaucoup plus sur votre broche que peut-être sur votre veste que vous avez déjà portée plein de fois, qui est un petit peu délavée, mais on s'en fiche parce que tout de suite vous voyez il y a un petit truc en plus, et ça on apprécie. Enfin, dernière astuce que tu peux mettre en pratique pour pouvoir pimper tes vêtements et les faire durer un peu plus dans le temps en ayant envie de les porter différemment, c'est utiliser des ceintures, tout ce qui va être accessoire pour cintrer des vêtements. Ça peut te permettre vraiment, voilà, de porter ton vêtement différemment et d'avoir envie de le mettre encore plus dans le temps. Je trouve que c'est une astuce qui fonctionne aussi très bien. Donc tout ce qui va être, voilà, foulard, ceinture, petit pimps, petit truc que tu peux rajouter qui va donner de l'allure à ton vêtement, c'est un truc qui va te permettre, eh bien, de le faire durer dans le temps, mine de rien. Et je trouve que c'est une astuce d'entretien qui rentre pour moi dans le contexte de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que mes conseils auront été clairs et qu'ils te seront utiles. Surtout n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres astuces, et vraiment la diction aujourd'hui c'est quelque chose. Donc n'hésite pas à me mentionner en commentaire si tu as des astuces, n'hésite pas à me dire si tu as testé certaines de ces astuces que tu ne connaissais peut-être pas et si ça a fonctionné pour toi. En tout cas moi j'ai été ravie de te partager toutes mes petites astuces et mes conseils. J'espère donc que ça vous sera utile et que vous reviendrez me voir pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez grand soin de vous.